Nous n'avions pas encore honoré la piste de 1966 en version banking de Monza, c'est maintenant chose faite. Bonjour et bienvenue dans TrackDay. Nous retrouvons aujourd'hui une voiture qui avait été conçue par un des pilotes les plus emblématiques de l'histoire du sport automobile, Bruce Mclaren, avec cette M1b qui débarque en mode dans Assetto Corsa, une voiture plutôt intéressante par son comportement, surtout sur une piste avec un banking pareil. Je vous laisserai en profiter bien entendu après. Quelques spécificités si on se penche sur la fiche technique de ce bolide, un poids de 590 kg pour plus de 425 chevaux, une vitesse de pointe à plus de 280 km/h, de quoi faire tourner quelques têtes. Et sincèrement, on attend un mode Can-Am plutôt complet, étonnant d'ailleurs qu'il ne soit pas encore sorti à l'heure où je vous parle, puisque il y a beaucoup de modèles de l'époque qui sont déjà disponibles en mode standalone. Alors pourquoi pas les regrouper, les équilibrer et en faire un mode qui serait assez intéressant vu la liste des circuits présents dans Assetto qui étaient utilisés à l'époque. Une voiture gratuite évidemment, avec un comportement assez particulier, avec un train arrière qui glisse beaucoup, assez difficile en sortie de virage de la récupérer, mais en tout cas c'est très fun et je vous laisserai jugez par vous-même une fois cette vidéo terminée. En attendant, vous connaissez la tradition dans TrackDay, montez le son.